Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est le samedi 27 février et c'est le dernier jour aux écuries pour les poneys. Donc j'ai encore pas mal de petites choses à faire. Là je vais aller aux écuries sortir les poneys au paddock, ils vont rester toute la journée. Et vu que je quitte le boulot à 17h, et bien je pourrai retourner aux écuries les rentrer. Je dois également aller récupérer toutes mes affaires à la pension. Du coup tout mon casier doit être vidé, donc je vais faire ça aujourd'hui parce que demain lors de leur départ j'aurai pas le temps, donc autant faire ça aujourd'hui et laisser juste 2-3 brosses et l'hélicole pour demain. Et ensuite je dois également nettoyer ma voiture parce que hier je suis allée chercher de la paille et malheureusement bah moi je n'ai pas de remorque et j'ai pas d'attache remorque sur ma voiture pour pouvoir aller chercher du foin ou de la paille. Le foin j'avais eu de la chance parce qu'on me l'avait livré, mais la paille j'ai dû me débrouiller. Donc je me suis dépannée de 5 bottes juste le temps bah, de pouvoir en trouver ailleurs, et pour le coup bah, j'ai dû mettre la paille dans le coffre là où petite Laïa. Laïa, t'es où Laïa? Elle veut pas se montrer, elle est derrière là, elle est au coffre. Je la mets au coffre parce que elle panique quand elle est à l'arrière de la voiture ou devant. Donc on va voir si dans le coffre elle se sent mieux ou pas. J'ai dû mettre toute la paille dans le coffre, donc je vous laisse deviner l'état de la voiture. Donc on va nettoyer tout ça. Donc je vous emmène avec moi, c'est parti. Alors, il est doux. Dernière journée aux écuries? Moi, oui. Après, vous allez dans votre nouvel endroit? Moi, oui. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, je vais les emmener au paddock, mais je vais pas prendre les trois en même temps, parce qu'à chaque fois, c'est beaucoup trop galère. Donc, on va les prendre un par un, comme ça, voilà. Ils apprendront qu'il faut attendre qu'ils vont se rejoindre, parce que ces cocos-là, ils sont inséparables. Donc, dès qu'il y en a un qui part du box, eh bien, les deux autres sont en panique. Donc, voilà. Va falloir apprendre à pouvoir vous séparer 5 minutes. Donc, là, on va aller prendre l'hélicole et on va les emmener au paddock. Bon, poney numéro 1 avec moi. Il est où? Il est là. C'est Monsieur Bibi. Parce que Bibi, c'est celui qui est le moins chiant, dans le sens où dès qu'il va être dans le paddock avec de l'herbe, eh bien, il va totalement zapper qu'il a pas les filles. Ensuite, je prendrai Golden. Parce que du coup, si je laisse Golden en dernière, elle va péter un câble dans le box. Donc je vais la prendre en deuxième. Et on terminera avec Gossip, qui est la plus momole. Donc voilà, il y a des oies qui volent là-bas. Ah mon doudou, on va passer la journée au paddock. Il va être content. Hop, hop là. Et viens doudou. Hop, on va les mettre dans les paddocks. Un premier poney. On va aller chercher les autres filles. On va aller les mettre également là-bas. Bon, j'étais obligée de couper la caméra le temps de prendre Golden. Parce qu'au final, Monsieur Bilbao n'a pas apprécié être tout seul dans le paddock. Du coup, il a fait que appeler, à courir partout, voir s'il y avait une issue pour sortir du paddock et rejoindre les filles. Donc du coup, je suis allée vite chercher Golden. Et une fois que Golden est arrivé, ils en ont rien à faire de cette dernière là qui est toute seule. Par contre, Gossip dans son box est en mode « Pourquoi ils sont plus là? Pourquoi je suis toute seule ?» Du coup là, elle est bien pressée d'aller les rejoindre. Mais c'est la plus douce Gossip. Gossip, c'est vraiment la ponette toute gentille, toute douce et tout. C'est vraiment un plaisir de l'avoir comme jument. Comment Pépé? Ah oui? Regardez, ils sont là-bas les copains. On va avec eux. En plus, il y a de la bonne herbe aujourd'hui. Bon, ils vont pouvoir brouter tranquillement toute la journée. Comment elle fait? On va être tranquille là. Comme ça, ils profitent tranquillement de leur dernière journée. Et à partir de demain, une nouvelle aventure pour les trois loulous. Et moi. J'ai allé leur chercher un seau d'eau.
parce que ces braves bêtes doivent bien boire durant la journée. Parce que s'ils restent toute l'après-midi là-bas, autant qu'ils puissent boire un peu, ces pauvres loulous. Ouais, les petites bouclettes. Oui, j'essaye de revoir une tête plus naturelle en récupérant mes cheveux, hein, ma nature de cheveux qui est bouclée comme vous pouvez le voir. Donc il va falloir vous habituer à avoir cette tête là face à vous. Bon, une fois que ce sera un peu plus long, ça rendra mieux. Là actuellement ils sont mouillés, faut qu'ils sèchent encore un peu, mais vu qu'ils sont courts, eh bien ça remonte. Alors que quand il y aura plus de longueur, ça va descendre parce qu'il y aura du poids. Voilà. Non, allez chercher à boire. Prochaine étape. On va lever tout ça, hein. Y a pas le choix. On va mettre ça dans le coffre. Je vais laisser du coup 2-3 brosses ici pour demain, au pire des cas. Même tout à l'heure quand j'irai les rentrer du paddock. Et on va mettre tout ça dans le coffre. Je vais emmener ça provisoirement chez mes parents. Le temps de pouvoir installer dans le nouvel endroit une sellerie. Pour pouvoir remettre tout ça. Va falloir tout trier, tout plier. Je pense que je vais faire encore un peu de tri et voir si je revends encore 2-3 articles. Donc dans tous les cas, vous pouvez voir les articles sur mon Equivintage. Je vous mets le lien en barre d'infos si vous avez des mini et que vous cherchez du matériel. Eh bien, c'est le moment. Hein. Bon, ceci est un coffre de propriétaire ou de cavalière. Le truc est blindé, hein. On ne met plus rien. Du coup... On va nettoyer le casier parce qu'il est un peu poussiéreux. Hop, on va nettoyer tout ça. Voilà, bon, je laisse les longes pour aller les récupérer ce soir. Et en plus, ce sera les longes qu'on utilisera demain. Il y a les 2-3 brosses que je laisse pour leur passer un petit coup tout à l'heure. Les grains des filles, parce que du coup, je leur donnerai le grain seulement ce soir. Et je mettrai du coup ça dans le coffre tout à l'heure. Voilà. On a terminé, là je vais aller chez mes parents, bah, du coup déposer le matériel en provisoire et passer un coup d'aspirateur dans la voiture parce que là l'état c'est pas possible et j'irai également la passer au Karcher parce que là dans l'état qu'elle est je ne supporte plus. Donc entre guillemets l'avantage du fait que je ne serai plus ici c'est que ma voiture ne sera plus aussi sale parce que là je vous montre l'état mais... C'est affreux, voilà, j'ai honte de me montrer. Hop, voilà la cocotte actuellement. Voilà, ma belle voiture, toute sale. Voilà, donc on va nettoyer tout ça. Comme vous voyez, il y a même encore du bazar à l'intérieur. Voilà, tout le bazar. Faut que je range, c'est pas possible autrement. Et oui, je voulais du coup vous montrer, mais pour le coup, vu que... Ils vont être dehors et qu'il fait encore assez froid le soir et on va encore retomber dans les températures. J'ai pour le coup acheté une couverture pour Golden, imperméable. Donc je crois qu'il y a 200 grammages dessus. Donc pour le moment elle mettra la couverture là durant la fin de l'hiver. Je vais lui en racheter une mais simplement imperméable, 0 grammage. Là il y a 200 grammages donc... Au vu qu'on est encore dans des moins et la semaine prochaine les températures rechutent, il prévoit également encore de la neige donc ça lui fera du bien. Donc c'est une de chez Minior Shop. Je commande toutes mes couvertures chez eux parce que ça taille bien en fait. Là j'ai pris une 90 cm taille mini, donc la 90 cm c'est du milieu du poitrail au milieu des fesses.
et du coup bah c'est la taille qui convient à Golden. Donc je lui ai pris en violet, voilà, j'ai voulu me faire plaisir. Je vous montrerai du coup demain ce que ça donne sur la louloute. Je l'ai déjà essayé, elle lui va, mais voilà, vous verrez ça ça demain. Voilà voilà. Hop là, bon, je viens de quitter le travail, donc ce que je vais faire c'est que là je vais directement aller aux écuries, rentrer les loulous, et puis voilà, j'ai hâte parce que demain ça y est c'est le grand départ, ils partent dans leur nouvel endroit. Demain ça va être une journée mais chargée à bloc, je vais rester toute la journée là-bas, je vais faire que des allers-retours. Donc je vous dis, ça va être une journée crevante. Normalement c'est un jour de repos, mais pour moi là ça va être une journée de boulot, mais qui me fait vraiment plaisir, j'ai vraiment hâte. Donc là on est parti pour retourner aux écuries, on va rentrer les loulous qui auront bien profité de l'extérieur aujourd'hui. Alors on a profité de la journée dehors. Ah, j'ai une fenêtre qui est plus au même endroit. Les loulous. Alors les loulous, on va rentrer? Bah ouais, on va rentrer là. Dernière nuit au box, mes doudous. Ma fifi. Oh là là. Oh, doudou. Oh, t'es belle, ma fifi. Moi, oui. Petite gossip qui est là-bas. Du coup, voilà. Les loulous sont rentrés. Moi, je vais également rentrer. Depuis le début du vlog, je vous dis que vous verrez leur départ demain, sauf que non, moi je vais tourner leur départ demain, mais vous, vous verrez la vidéo que samedi, parce que celle-ci, elle sortira mercredi. Mais voilà, quand je parlais comme ça, c'est que dans ma tête, voilà, je sais que demain je tourne cette vidéo aussi, mais vous, faudra un peu attendre avant de la voir. Du coup, voilà, moi je vais vous laisser, et du coup, on se retrouve pour la fameuse vidéo de leur départ. Salut !